Hey! Hoayo Minasan, c'est Gunshow! Et aujourd'hui, on se retrouve sur du Fallout 4. Et ouais! Donc voilà, donc là c'est l'épisode 165, partie 11. Donc voilà, donc comme j'ai dit dans le dernier épisode, ça c'est la moitié de 1 heure. Donc voilà. Donc on va reprendre là où je m'étais arrêté avec l'échange du robot. Voilà. Donc ben, je vous souhaite un bon visionnage. Ok. Bon, j'ai déposé mon bazooka. Merde! Attends, j'ai ramassé de la merde. Je suis chiap, hein. Sérieux, s'il y a un truc secret ici, je veux bien savoir où c'est. Oh, ça je m'en fous un peu, Chloé elle a rien fait sur toi. Sérieux. Ça m'a l'air du gros gibier ça, pour qu'il fasse du bruit comme ça lui. Tiens mon chat. Il est où là? Attitude. Harpon chaud. Ouais, je prends que les munitions sinon je vais pas me. En finir. Ah, comment je t'ai défoncé, toi? Ennemi harponné. Ah, mais lui, il a mangé cher, lui. Activons cette machine! Elle est efficace cette arme, hein! Oh putain! Ça
c'est la OS quoi, sérieux. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je pense que ça me faire peur ce machin. Pas peur, mais j'ai peur dans le sens que ça va faire mal. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'espère que c'est pas un gros behemoth là, machin là. Chiant, je sais pas le faire du tout. Hein. Ok, ça me. Ça m'ajoute rien, ok, d'accord. Tabis d'armes, je vais faire quelques trucs, je pense, et je vais voir. Ok, bon, j'ai perdu quelques trucs en pièces. Ah ouais! Jolie l'armure là derrière! Elle est jolie et décorée. Bon, après, je crois que ça sert à que d'elle. La peinture jaune, bon, après, je m'en fous un peu. Là, c'est un mélangeur. Allons, cette armure. Ça me aura. Enfin, ça me sera peut-être utile. Des humains, ok. Par là. Ah, on va dire il y a du monde partout, hein. Oh putain. D'où il sort celui-là? Ah mais il m'a... Non, je peux pas récupérer les arpons. Putain, j'aurais pas l'idée avec ce machin. Sérieux.
Ah, j'ai trop de vie. C'est quoi ça? Les créatures restent vous attaquer. Okay. Ah, ça dure combien de temps ça? Plus 15, ok. Comme j'ai envie d'y aller vite. Ultra jet! Wouhou! Là, je vais louper. Ouais, tu dis. Mais encore! Tu disais quoi? Non, rien. T'es mort. C'est censé être quoi? Ah oui. Ouais, je m'en fous, allez. Je porte tout. C'est vraiment dégueulasse l'endroit là. Allez, pousse-toi là. Oh oh. Vas-y quoi. Vas-y va, le robot il me pousse. Merde, un tibia cassé, ça. Putain, ça m'inquiète, mais c'est qu'est-ce qui fait ce boucan là? Je sais pas où c'est, mais ça, quand je vais le voir dans ma tronche, je vais moins rire. Bon, je crois que c'est là, le machin là. Là où je dois aller. Ah putain. Ouais putain. Ouais, ça c'est ouvert, voilà.
Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici, mais... Et ça pue. Signe de vie détecté. Analyse en cours. Si vous avez besoin d'aide, veuillez vous approcher de la... Ouais. Analyse supplémentaire en cours. L'utilisateur n'est pas autorisé à pénétrer dans la zone de confinement médical. J'aurais pourtant bien aimé un peu de compagnie. Cela fait tellement longtemps. Je crois que t'es pas prêt de voir des utilisateurs autorisés. Soit tu me laisses entrer, soit t'attends éternellement. C'est toi qui vois. Vous vous rendez bien compte que je suis un ordinateur. Je peux attendre longtemps. Très longtemps. Mes capteurs biométriques ont été calibrés pour laisser entrer un prototype de synthétique. L'utilisateur n'est pas autorisé à pénétrer dans la zone de confinement médical. Désolé, je ne peux rien y faire. Qui est autorisé à entrer ici ? Mes capteurs biométriques ont été calibrés pour laisser entrer un prototype de synthétique. Mmh. L'utilisateur n'est pas autorisé à pénétrer dans la zone de confinement médical. Désolé, je ne peux rien y faire. Enfoiré de robot ! Putain ! Ok. Bon, ben, il faut que je retourne ici avec Nick Valentine. Ok. Ok, bon, ben on va continuer. Alors, voilà. Donc là, je suis sorti par là. Enfin, je suis remonté quoi. Donc je vais vérifier quand même. Monter par là. Je trouve qu'elle est quand même assez stylée cette armure, non? Ouais. Je trouve qu'elle est assez stylée. Bon, par contre là c'est chiant là comme je suis lourd. Ça va être chiant. Je sais pas où je vais sortir par là. Pas sortir où. Voilà, on est sorti de cet endroit. Donc il me faudra Nick Valentine pour pouvoir accéder à la clinique. Ah mais fait chier quoi. Ouah, wow, la frame rate. J'adore la frame rate là. C'est quoi ce bruit? Je vais essayer de louper quoi ça. Hmm.
Ok, le mec s'est suicidé en haut, quoi. En mode je m'en fous, je vous emmerde. Non, mais. En fait, je pourrais ramasser les harpons sur les ennemis, en fait, je crois. Fais chier. J'ai perdu le gavet de munitions alors. Ah ouais. Bon, je ramasse pas tous les trucs que je lui envoie dans la tronche, mais du moins je récupère une. C'est déjà pas mal. Ok. C'est fait. Je suis juste revenu là. Ouais. Ok, bon, B1, hein. Carte, voilà. Ok, bon, on est de retour là. Wow. What the frame rate? La tannerie. Vous avez mes outils? Voilà vos outils. J'ai de la chance de vous croiser. Voici votre récompense. Vous l'avez bien méritée. Et maintenant, je vais bosser sur la coque. Ok. Trou de la coque, ça, c'est fini. Les continentaux sont la source de tous nos problèmes. Vous avez besoin d'un peu de tout puissance? Et de leur faute. Montrez-moi ce que vous avez. Pas de coup fourré. On va consommer une drogue avant. Le mec. On va prendre un Manta. Ouais. Oh, c'est un chewing-gum, non? Faire affaire. Montrez-moi ce que vous avez.
savez. Ça marche. Ok. Je lui dis à Mr. Allen là que son. Hein, si voilà. Seulement tous mes clients étaient comme vous. Que puis-je pour vous ? Dima a tué le capitaine Avery. Et il l'a remplacé par une synthétique. C'est ça, et moi je suis. Attendez, vous dites ça sérieusement ? Hein ? J'ai toujours su. Merde, je le savais. Mais votre parole suffit pas. Dites-moi que vous avez des preuves. Il nous faut des preuves que Dima et Avery sont... Voilà ce que j'ai. Cette amulette appartient à Avery, pas de doute là-dessus. Et le crâne ? Ce crâne pourrait être à n'importe qui, mais... Le docteur ! Teddy peut faire une sorte de test médical. Un test ADN ou je sais pas quoi. Il nous dira si c'est Avery ou pas. Si c'est bien le sien, revenez me voir immédiatement. Et ça c'est bon. Salut. Ravi de vous revoir. C'est vous relativement avez fait calme. Salut. Encore un charognard qui s'approche du corps d'André. Il n'est pas mort. Attendez donc. Non, cette personne vient du continent. Bienvenue dans ma petite clinique. Si vous avez besoin de soins, n'hésitez pas. J'aimerais bien discuter un peu, mais ce métier ne m'en laisse pas le temps. Vous pourriez examiner ce crâne, docteur ? Je voudrais savoir à qui il appartenait. On me demande pas ça tous les jours. Je peux faire des tests. Ça a l'air de vous tenir à cœur. Donnez. Alors... Quoi ? Non. Dites-moi que je rêve. Non. Non. Avery est morte depuis des années. Acadia a truqué le jeu, c'est ça. Cette preuve que vous détenez, qu'est-ce que vous comptez en faire ? Je veux que Dima paye pour ce qu'il a fait. Hein ? Ah ? Qu'il paye ? Je vous retiendrai pas. C'est... diabolique. Écoutez, je dirai rien à personne. Si cette histoire s'apprenait, disons qu'on serait dans de sales draps. Si vous avez vraiment besoin de vous soulager la conscience, parlez-en directement à Avery. Je sais bien qu'elle n'est pas vraiment humaine, mais je la connais. C'est quelqu'un de bien. Mm-hmm. Aussi chiante qu'elle soit. Mais surtout, dites rien à Allen Lee ou vous provoquerez un bain de sang. Acadia va brûler ! Oui ! Ok, ça c'est fait. Carte locale. Ok, j'ai là et là. Ok, j'ai pas autre part. Ok, bon, en fait, en gros, là, ça va être la fin de l'épisode. Donc, voilà, donc vous avez compris, c'est notre épisode. Enfin, j'ai coupé la partie en deux de cet épisode et l'épisode dernier. C'est que ça mesurait plus d'une heure. Donc, voilà, j'étais à fond dans le jeu. Donc, voilà, donc, voilà. Que dire d'autre, rien. Voilà, je dis à plus tard pour un autre épisode. Voilà, c'est bien chaud. Bye bye.